Salut les gens, aujourd'hui la chaîne Français Super complète un an d'existence. Merci, merci. Ce ne sera pas possible sans toi. Et pour ces souvenirs, je te montre quelques scènes des premières vidéos. Regarde. Bienvenue sur la chaîne Français Super. Salut les gens, je me présente, je m'appelle Igor, ton nouveau professeur de français de la chaîne Français Super. À cette époque-là, tout était nouveau. J'étais plein d'énergie pour démarrer ce nouveau projet. J'ai dû apprendre à produire et à éditer mes vidéos tout seul. Tu sais, tenir une chaîne YouTube n'est pas facile. Il y a beaucoup de tâches à faire, depuis la création du scénario, le tournage, l'édition et la diffusion des vidéos. Merci à tous qui ont cru à ce projet, à tous qui m'ont accompagné, regardé, commenté, liké, partagé, etc. les vidéos. Merci de nous faire confiance. Bon, si on parle des célébrations, on parle de faire la fête en français. Quels sont les éléments pour faire une fête d'anniversaire en français? Nous avons, à mon avis, le plus important et le plus délicieux d'une fête d'anniversaire, le gâteau. Et après, nous avons les ballons pour la décoration et aussi le chapeau pour les invités. Après, nous avons l'invitation pour la fête d'anniversaire aussi importante où nous avons les informations. Invitation. Où? Quand? À quelle heure? RSVP, sigle utilisé notamment dans les invitations envoyées par écrit pour demander à l'interlocuteur de confirmer et ainsi réserver sa place à un événement. Les initiales correspondent à la phrase Répondez s'il vous plaît. Avec l'invitation, nous avons naturellement les invités. Les invités offrent un cadeau aux fêtés. Nous avons les bougies qui représentent le nombre d'années fêtées. Dans une fête d'anniversaire, on peut célébrer, danser, jouer, chanter, manger, boire, etc. Ce sont des verbes associés. En plus, il y a aussi la célèbre chanson Joyeux anniversaire. Tu peux encore organiser une fête surprise. Une fête surprise, elle est organisée en secret. Et c'est quelque chose de très sympa à faire pour le fêter. Voilà donc le vocabulaire pour une fête d'anniversaire en français. Un super merci de voir la vidéo. Abonne-toi à la chaîne Français Super, suis-moi sur les réseaux sociaux, partage la vidéo et à bientôt.